Les voyages usent les jeans et forment la jeunesse. Mais dans une vision linéaire des choses, les kilomètres qui défilent sont chronophages. Il y a pourtant une solution, une moto qui pourrait être sortie tout droit d'Interstellar. Une machine qui donnerait la migraine à Einstein tellement elle distord l'espace-temps. Alors on a pensé au parfait cobaye, au sosie du Doc Emmett Brown, et on l'a collé sur la dernière évolution de la BMW S8XR, et franchement, ça dépote. Alors là les copains, puisqu'on parle de machine à raccourcir les distances, moi j'ai un vrai coup de foudre pour cette BMW S8XR 2020. J'ai un vrai coup de foudre parce qu'en fait, ce qui est frappant, bah là je suis sur petite route, c'est l'agilité, la précision, le côté joueur. Là, il faudra que Julien masque un peu le compteur parce qu'il va se passer des trucs un peu sales. Mais voilà, la semaine dernière, j'étais sur une F900XR, le nouveau bicylindre. Donc là, on pourrait se dire la moto est plus grosse, le moteur est plus encombrant, plus gros, elle est plus lourde de 7 kg. Donc ça devrait être un peu moins bien. Et en fait, c'est le contraire, c'est que comme toutes les liaisons au sol, tout le châssis est doté de meilleurs équipements, on a un feeling, une précision, la moto, on peut freiner sur l'angle. Elle réagit sans trop se redresser. On rentre en virage assez facilement. On peut corriger ses trages d'un coup de guidon en appuyant un peu sur la repose-pied. Ça y est, là, j'ai la repose-pied qui touche par terre. Donc en fait, dès qu'il y a des virages, c'est assez difficile de résister à l'idée de profiter de ses qualités sportives. Et c'est vrai qu'on fait ça avec une facilité mais qui est complètement hallucinante. Elle me paraît plus précise qu'une Ducati Multistrada par exemple. Et puis un peu plus fun avec son caractère moteur là, de sportive, là-dessus j'y reviendrai, qu'une KTM 1290 Super Adventure, mais on n'est pas dans la même philosophie là, c'est pour les fans de Cathy. Le seul gros problème avec ça, c'est qu'on est tout de suite sur des vitesses. Ce shifter il est efficace là, on redescend en trois rapports d'un coup sans toucher l'embrayage. Oh c'est top, on se jette dans le truc, penche la tête, c'est une facilité. Allez, soyons raisonnables. Et donc le problème c'est qu'on roule à des vitesses complètement pas trop autorisées. Alors on pourrait évidemment tenter de négocier avec la maréchaussée et dire voilà monsieur l'agent, vous savez, bon je comprends, ça a pu vous défriser un peu les moustaches. N'empêche que cette moto, elle permet de faire ça en toute sécurité. On a plein de cartographies moteur, il y en a 4. Il y a du contrôle de wheeling, il y a de la gestion du frein moteur, il y a de l'anti-patinage, il y a un ABS avec fonction virage. Alors certes, même si on va un petit peu plus vite que ce qui est autorisé, ça se fait dans des grandes conditions, une sécurité absolument incroyable. Et ça se fait avec beaucoup de naturel. Après, j'ai quand même des doutes sur la finalité de l'opération. En négocier avec la maréchaussée, c'est, je dirais, un petit peu comme espérer avoir de la tendresse avec une poubelle gonflable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis vraiment bien sur cette moto. C'est la vieillesse, mon bon ami. D'ailleurs, si on regarde dans le dico, il y a ta photo à la rubrique arthrose. Et à la rédac, quand tu passes dans les couloirs, tu t'entends grincer. Pas du tout, je suis en pleine forme. Non, je suis vraiment bien sur cette moto parce que la position de conduite a été revue. Le guidon est plus étroit. On est un petit peu plus sur l'avant. Alors certes, le réservoir est un petit peu large, mais moi, ça me gêne vraiment pas. À 840 mm, la selle, bon, ben, si vous êtes président du fan club de Michel Drucker, ça va être un peu compliqué, mais il y a quand même une selle basse à 790. Et surtout, ce qui me plaît beaucoup, c'est la position qui est parfaitement neutre, mais ça ne se fait pas au détriment des sensations que nous remonte le châssis. Et du coup, on peut, encore une fois, rouler vite sans forcer du tout. C'est une évidence absolue. Et c'est ça qui me plaît vraiment sur cette moto. D'abord, j'ai l'impression que tu es en train de me décrire une sorte de super sportif pour les nuls. Mais moi, je me demande surtout si elle est si nouvelle que ça, ta S1000XR. Oui, tu as raison, Julien, même si elle ressemble un petit peu à l'ancien modèle. Bon, les lignes se sont un peu affinées, mais la philosophie est quand même assez proche. Il faut quand même savoir que tout est nouveau sur cette S1000XR 2020. Donc, le châssis a été entièrement dessiné. Les suspensions sont complètement nouvelles. Tout le package électronique a été revu avec un mode de fonctionnement plus fin, plus précis qu'auparavant. Et puis le moteur, c'est tout simplement le moteur de la dernière génération de la S1000RR. Évidemment un peu dégonflé, mais 165 chevaux et 114 Nm, ça cause. Je suis allé faire un tour en Allemagne
Ça prend 180 heures en troisième, j'ai pris 260 compteurs, donc il n'y a pas de souci pour les voyages express. Techniquement, donc, on est sur le bloc de la sportive, ce qui explique une belle vivacité et une putain d'allonge dans les tours. Il y a vraiment deux caractères moteurs très différents, je dirais avant 6000 tours et au-delà de 6000 tours. Sur le bloc de la sportive, ils n'ont pas gardé la distribution variable. Mais bon, c'est pas gênant. Si vous voulez plus d'infos techniques, elles sont sur motoservice.com. J'avais écrit un essai il y a quelques temps. Par contre, même si les chiffres sont globalement les mêmes que ceux de l'ancien modèle, ce qui est intéressant, c'est que à bas et mi-régime, je veux dire à 4-5 000 tours, il y a déjà largement assez de ressources, de couple et de reprise pour envisager, je dirais, un usage tourisme. Parce que cette moto, elle vous permet de rouler un peu de manière très dynamique et très engagée. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'elle n'est pas du tout inconfortable et qu'avec la bulle haute qui, moi, me protège en position haute, le haut du casque, hein, donc je suis plutôt bien protégé, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse et tout ça, c'est une vraie incitation à faire des grands trajets et elle s'y prête vraiment bien, et ce d'autant que la démultiplication a été revue, elle tire un peu plus long qu'avant, alors pas énormément mais un peu quand même, et ce qui fait que le moteur est moins présent et agresse un peu moins les oreilles sur un long parcours à vitesse stabilisée et à vitesse élevée stabilisée. Et donc tout ça pour vous dire que les seuls défauts que je lui trouve, ben, c'est peut-être une selle un peu ferme à la longue parce qu'on a une assise que je qualifiais tout à l'heure de vraiment naturelle, mais on ne peut pas tellement bouger d'avant en arrière sur la machine, et ce qui fait qu'à un moment, ben voilà, l'escar vous guette, en tout cas il faut faire des pauses avant. Et puis on pourrait imaginer que vu que ses concurrentes c'est des bicylindres, sur un 4 cylindres la moto soit 1000 fois plus onctueuse et souple et utilisable en ville. C'est vrai, n'empêche qu'il y a quand même des petits à-coups et un petit manque de rondeur à 2-3 000 tours avec un micro filet de gaz, et même avec la cartographie pluie, ça se fait quand même sentir. En fait, en réalité, cette moto ne peut pas cacher, malgré sa grande polyvalence, je dirais l'origine super sportive de sa mécanique, et on sent que les injecteurs n'ont qu'une envie, c'est de la gaver d'essence pour qu'elle fasse faire à son pilote une belle overdose de bitume. Voilà. En tout cas, le coup de foudre, il s'était déjà manifesté par le premier essai à l'époque organisé par BMW dans le sud de l'Espagne. Il s'est carrément confirmé. C'est fou, on peut resserrer des trages. En toute confiance, on a un vrai feeling, c'est génial. Il s'est, ben justement, voilà, c'est ce que je viens de dire, il s'est carrément confirmé aujourd'hui en France, sous le soleil. Cette machine, c'est le vrai kiff, hein. C'est un peu la, j'irais, la sportive pour les nuls. En tout cas, moi je kiffe. Un bisou sur le casque et à très bientôt les copains, merci. Et prudence sur les routes, dit-il en mettant du gaz comme un goret. 165 chevaux, une électronique de sportive, mais le confort d'une bonne paire de charentaises. La BMW S1000 XR 2020 ajoute plus de protection de bon aloi et sa facilité d'utilisation est à citer en référence, notamment face à la concurrence dotée de moteurs bicylindres. Mais si vous parvenez à rester sage à son guidon, alors franchement, vous aurez toute notre admiration. Ça, c'est un photographe, c'est un caméraman, c'est un monteur, c'est l'artiste, ouais. C'est le Steven Spielberg de la moto. Attends, il y a moins. Genre pendant que je bosse, il en a rien à foutre, il passe ses coups de fil sur Amazon, qu'est-ce que tu commandes? Attends, Coco, je te rappelle, il y a le hamster, il est revenu. C'est ce qu'il dit, le hamster. Il est tout et voilà, il roule en Mazda 2. Merci Mazda France pour le prêt de la voiture. Ouais, tu sais quoi, c'est l'heure de l'apéro. Ah ouais, il y a des bières. Bon, bah allez. Putain, ça serait bien. Ça serait bon, ouais.